Nous voulons aujourd'hui ajouter sur la conduite de l'esprit justement. C'est sur ça que nous voulons parler. Mais j'ai utilisé ce titre parce que dans ce titre-là, il y a une part qui est là pour nous. On dit ceux qui se laissent diriger par le Saint-Esprit. Il est vrai que le Saint-Esprit viendra conduire, mais vous devez aussi accepter de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous avons une part dans cela. C'est pourquoi j'ai pris ce titre-là. Amen. N'est-ce pas? Je pouvais dire que la conduite du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit vous conduira, c'est vrai, mais ici je parle de ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Nous avons vu dans la Bible des gens qui ont refusé de suivre la conduite du Saint-Esprit. Oui. Alors pour cela, pour maintenant, aujourd'hui, nous prenons ce titre-là et nous avons lu que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, nous devons savoir que c'est l'Esprit de vérité. Donc, en lui, il n'y a pas d'erreur. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur. C'est l'Esprit de vérité. Entièrement la vérité. Alors, on nous dit que il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera. Donc si vous suivez très bien là, c'est lui qui fait l'action, n'est-ce pas? Vous savez que quand nous avons étudié le français, n'est-ce pas, on dit il y a le sujet, le verbe et puis le complément. C'est le sujet qui fait l'action. L'action. Et ici, qui fait l'action, on nous dit c'est le Saint-Esprit. Quand lui va venir, il vous conduira, il vous parlera. Il annoncera. Donc c'est lui qui a l'action. Nous sommes là. Amen. C'est lui qui fait l'action. Mais il vous conduira dans toute la vérité. Voyez, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Quand nous regardons, dis avec moi, désormais, au Saint-Esprit revient la responsabilité et la charge de conduire les croyants. De conduire. La responsabilité et la charge revient carrément au Saint-Esprit. C'est lui qui a la responsabilité et la charge de conduire le croyant. Vous voyez. Alors là, on répète avec moi, en effet, la Bible dit, oui, il vous conduira, oui, il parlera, oui, il dira, oui, il vous annoncera. Donc, le croyant est donc placé sous l'autorité du Saint-Esprit. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, déjà là, nous comprenons que il vous conduira, il parlera, il dira, il annoncera. C'est le Saint-Esprit qui a l'action. Voyez. Amen. C'est pourquoi je dis que ceux qui se laissent diriger. C'est-à-dire que vous devez accepter sa conduite. Il parlera, c'est-à-dire que quand il doit parler, celui qui a un mot à dire, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut nous dire l'avenir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc nous devons lui laisser toute la latitude, lui laisser toute responsabilité. Ça veut dire que nous soumettre à lui, afin nous soumettre. C'est ce qui est bien, voyez. Pour qu'il puisse réellement nous conduire. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait conflit. Amen. Amen. Et puis ça me lit dans mon toit, mais tambou ça y est mon côté. Amen. Dengue comme mis la Bible. Oui. Mon te foi tambou ça ma, na Saint Esprit. Amen. Amen. Bananzambe. Amen. Automatiquement, tous allez na c'est y a bokonzi y a Saint Esprit. Et lui colobake, ba décision na ba action na biso, il faut et dépendre
na Saint-Esprit. Saint-Esprit nde fo a commandé à l'obéla à diriger. Amen. Amen. C'est que biso to sa ninga biso zali obligé ya ko mitika ko kambama. C'est un exercice difficile. C'est laisser conduire parce que yo zo linga boy mais Saint-Esprit lingi boy. De quoi un problème place one. Omoni. Alors pour nzamba ko ko conduire biso bien, il fallait appeler biso nature ya agneau. Ozo monde. Amen. Agneau abunda ka awela kate kuno zo memba nde pe azo kende. Et omoni que l'ère Jésus-Christ ayaki, il était l'agneau de Dieu. Azali mwana pate na nzambe Jésus-Christ. On a ko identifié conduite batindi Saint-Esprit sous forme ya colombe. Ozo monde que nature ya agneau. Il y a colombe et cocani. Et la colombe a conduit l'agneau. Bible le dit et il fut conduit par le Saint-Esprit. Pose la conduite d'Ingewana par la colombe. Il faut nature y a agneau et y a quatre nabiso. Amen. Et nature y a agneau et y a quatre nabiso dans la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. En d'autres termes, Tozali na se y a charge. Il y a Saint-Esprit. Saint-Esprit, nde azui lingomba en charge. Azui bandimi en charge. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Oko trouver moi na nzambe mon côté. Azangi sami kotambu sama na Saint-Esprit. Ozomona leur nzamba bimisi Israël en Égypte. Automatiquement balobi na biso ke colonne de feu ezalaka ko kende liboso na bango pour na ko diriger bango. En réalité, ce n'était pas Moïse qui dirigeait. Amen. Amen. Moïse y est pas allé ko talela de kunzi na moto wana. Amen. Et ko kendaka liboso na bango pour na ko diriger bango. Eli koloba ke nzambe azui bango na se ya autorité na ye, azui bango na se ya charge na ye. Nzambe azalaki na charge pour na santé na bango, vie na bango, tout ce qui les concernait, nzambe azui yango en charge. C'est ainsi que nazo ibisa yo ke mondimi charge na ye nyonso, Jésus azui yango. Jésus aza na charge na yo. Komba nyonso eza contre yo, eza contre Jésus. Amen. Il se tient là pour toi. Jésus te soutient. Yes, donc, il te soutient. Jésus est de ton côté. Yes, est-ce que nous disons amen? Amen. Chrétien, ça y est mon côté. Amen. Le ciel tout entier est derrière toi. Lola, mon merci Seigneur. Donc, boye. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bah, bah, tu as une caractéristique, il y a bana na nzambe. Batambu sa mina espiranza. Nama kwa utika bana na ete, batambu sa mana satan. Te. Nukite, ako koma na bitu oyo, adestina ki bango te. So, alinga koma na bitu wana, esengeli ya kamba bango. Tumuni ki akambi Israeli, kino namboka na, kana na namboka ni laka. C'est lui qui les a conduits. Yenda kamba ki bango. Bao babo ya ki conduite, qu'est-ce qui est arrivé? Isomo. Wakufaki. Une fois que nzambe akangoli yo, na maboko ya Satan akoko tiko suyo mokote. Il faut yemo katambusa yo. Amen. No kite okoya na likama ya Satan wana. Amen. Donc ceux qui se laissent baye bazako mitika, vous voyez, conduire otambusama, diriger kokambama par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Na muli mo nzambe, c'est un don. Qu'on se laisse conduire, c'est un don. Moni, Bible lobi est, même Jésus, Bible lobi que il était soumis à ses parents. Attayez, soyez nassé à Botosi. Vous avez déjà lu ça? C'est dans Luc chapitre 2. Dans Luc que même Jésus était soumis à ses parents. Attayez, soyez nassé à Botosi, tu vas beaucoup nous aboter là. Vous voyez. Alors, maintenant, ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bah, basali komitika, kota musa manamoli mulanzambi, basali ba nanzambi. La grande caractéristique, il y a mondimi penza, il y a moi na nzambe. Amen. Amen. Et zali
ayebi komitika na kokambama ya Saint-Esprit. Eli kolobake ba décision na ye. Yaye ba projet. Yaye makambo nyonso azali ko projeter et ko dépendre na molimo na Nzambe oye fandi kati na ye. Amen. Parce que Saint-Esprit aye ko fanda na kati ya motema ya mondim. Tolobaki ke Dieu se tient sur le propitiatoire de notre cœur. Là ma fandi ko le bondi se ya motema na biso. Ndenda kuna ende sika na ye. La voix de Dieu c'est dans le cœur. Laboratoire nango ezali motema. Ezali à partir ya motema de baction nyonso ya moto ezali conçu ezali préparé. Amen. Amen. C'est pourquoi ton cœur est plus que toute chose. Ya wana motema no l'équipe le connaissance. Ya wana Nzambe azolinga ke liloba ezwa esika na kati ya motema na yo. Ce qui le besoin c'est quatre na motema na yo ba action na yo nyonso okosala ngo selon ce qui est dans ton cœur. Amen. Zomo. Alors on va avancer un peu. Nasi nazui Jésus na vie na ngai. Naza besoin de le comme société. Yebi sa voisin. Nasi nazui Jésus na vie na ngai. On a besoin na eloko mususite. Naza na besoin de le comme société. Amen. Yesu azanyonso po nanga. Amen. Azambongo po nanga. Amen. Azabozi po nanga. Amen. Azwa vie éternelle. Amen. Azali lola, azanyonso, azanzambe, azali mabondeli, azanyonso. Amen. Le banasi nazwa Jésus. Nasi nazwa Jésus. Alléluia. Peu oza ndengo za wana oza mozui. Oya zana Jésus azali mo mozui. Amen. La richesse n'est pas l'argent. Bozui azali misolote zambo. La richesse c'est Jésus. Bozui azali ne Yesu. Amen. Ce qui est que nous kambongo bongo ko dominer yo. Luka Jésus mbongo ko servir yo. Amen. Oboye le bamen. Amen. Amen. Si tu cherches l'argent va te dominer. Soko kambongo bongo na ko konza yo. O comme esclave mbongo. De la même manière que tu pouvais être esclave du péché, esclave de la prostitution, du vol, tu peux aussi devenir esclave de l'argent. Mais si le Fils t'a franchi, Jesus, Yesu, amen, amen, tu es réellement libre. Loba, j'ai tout, car j'ai trouvé Jésus. Car j'ai trouvé Jésus. Amen. Amen. Nous disons amen. Amen. Banda ko pese makambola nazo ebisa yo. Oso zui Jésus. Amen. Tango zui Jésus, ozui nyonso. Amen. Avec Jésus, tu as tout. Na Yesu, oza na nyonso. Jésus aza libala. Amen. Jésus aza bana. Oui. Jésus, toutes les questions que tu as, Jésus est la réponse. Amen. Yesu est une réponse. Jésus, c'est lui qui suit. Abi nazali azali. Donc quand tu cherches quelque chose, c'est lui la chose là. Tango zo lokolo moko yende lokoyango zo luka. Il est le grand je suis, le bas, il est le grand je suis. Il est le grand je suis. Il est tout ce que je cherche. Il est tout ce que je cherche. Quand je cherche quelque chose, quand je cherche quelque il chose, est le je suis. Il est le je suis. Jésus est le bonheur. Jésus est le bonheur. Jésus est la paix. Jésus est le kimia. Jésus est la joie. Jésus est le sengo. Jésus est la vie. Jésus est le bonheur. Jésus est ma raison de vie. Jésus est le tina kubiga la vie. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Jésus est celui que j'ai cherché. Jésus est le bonheur. Maintenant, je l'ai trouvé. Tu dis amen. Amen. Maintenant, je l'ai trouvé. Maintenant, je l'ai trouvé. Il est celui que j'ai cherché. Il est celui que j'ai cherché. Quand j'étais malheureux. Quand j'étais malheureux. Quand je pleurais. Quand je pleurais. Quand je cherchais. Quand je cherchais. Ceci, cela. Ceci, cela. C'est Jésus. C'est Jésus. Que je cherchais. Que je cherchais. Sans le savoir. Sans le savoir. Et Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. Jésus. Amen. C'est ça qu'il vous fallait. Yangone. Tout ce que tu cherchais depuis ton enfance, c'est Jésus. Parce que des fois, l'homme cherche sans savoir ce qu'il cherche. Il cherche, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Et en cherchant ce que tu ne connais pas, tu risques de ramasser n'importe quoi.
J'ai découvert ceci, mais il ne fait que chercher. Alléluia. Amen. Que ça soit dans le mariage, dans n'importe quoi, au fait, c'est Jésus qu'on cherche. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un va dire j'aime ça. J'aime ça. Oh, gloire à Dieu. Soyez Amen. Bénis de l'Éternel. Pambolamina Yahweh. Gloire à Dieu. Amen. Dites avec moi. Je vis par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Qui a pris contrôle de ma vie. De ma vie. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui est censé me diriger, me contrôler, me diriger, me conduire dans toute la vérité. Il va me conduire dans toute la vérité. Il va me conduire dans toute la vérité. Et quand Jésus me conduit, Satan va aller le côté. Amen. Saint-Esprit. Tant qu'on continue à vivre, il y a des dirigeants. Mais il faut mythique qui attend l'humilité devant le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit attend, alors tu vas connaître de bons jours. Parce qu'il connaît l'avenir que les caillots. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité devient comme une contrée non explorée. Et on vous dit maintenant que l'Esprit, quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Au fait, toute la vérité, c'est Jésus. Jésus, le rejoint de face moi encore. Mais kota katinaye. Tu vas voir que Azaliyo, Azalinzam, richesse nyos, les amis de Kadine. Amen. Donc vous devez entrer en lui. C'est le côté de la Kadine. Où est Jésus? Où est Biété? Oh Jésus, où est Bié Penzate? Chaque personne a zéro bien à Jésus, que selon une portion révélation à Sanango. Oh fils de David, il s'arrête et dit qu'est-ce que tu veux? Où je vais voir des voix. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceux qui en attendent. Jésus est toute la vérité. Donc, la vérité, c'est Jésus. Mais là, le Saint-Esprit les rakoya à cause de Jésus à Fungolié. Au koye ba Jésus à Zanan. Thomas Oloba, montre-nous le Père. Ça, c'est Philippe. Hein? Tata. Philippe qui dit, montre-nous le Père. Philippe a bien accepté son tata. Il est devant Jésus. Jésus a le bien aimé. Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Il est avec lui là. Le Père que tu cherches, c'est moi. Le chemin, c'est moi. Est-ce que vous suivez cette chose? Amen. Donc il est la réponse à tout. Azali réponse à Dieu. Tous les soucis que tu as, c'est Jésus. Koti kaite kangaye. Amen. Koti kaite. Dès que l'esprit en Zambie koti kate na yo, yenda zo dirige yo. Amen. Donc fondement, yako kango la manabiso, ezali po ete muli mou na Nzambie. Et yingeli et yoko fanda katinabiso. Amen. Ko fanda ya mouli mouna nzambe na mite manabiso. Yangonde zeli fondement ya ko kangolama na ko kambama ou ya kala ya lisumo ya nature ya mouta kala. Esprit nzambe yoko fanda katinabiso. Esprit nzambe loko le fanda katinabiso yangonde fwe kambabiso. Quelqu'un dit amen. Amen. Yangonde fwe sanini? Vous savez pourquoi je vous prêche ça? Ça veut dire que jusqu'à ce que nous comprenions attitude d'une uniforme devant Saint-Esprit. Pour ça là. Puisque Dieu quand il veut travailler, il faut trouver que Balaba les a polélés. Il faut vraiment que les canons soient ouverts, disponibles pour la salle. Ok? Oui. Voyons. Dilobananzambe.
tangoza koyoka yango zoyoka yango biloba ya nzambe ezozo autorité na kat na biso bokonzi autorité biloba na nzambe ozali ko reconnaître autorité biloba na nzambe avant ou agir avant cela quoi que ce soit ozali ko se mesurer na o biloba na nzambe koloba na lerwana otiki ke biloba na nzambe ezala na bokonzi likolo na yo ezala na autorité likolo na yo ezala kola Jésus alobi ke je ne peux pas n'est-ce pas abolir la loi na yede kokokisa yango alobi ke le ciel et la terre passeront mais il n'y aura pas un iota ici qui soit ôté jusqu'à ce que tout soit accompli donc Jésus a tié ministère na ye na se ya bokonzi liloba na nzambe amen. Ouais. Même Jésus azala qui n'a droit il a qu'au changer na kambo Moïse a te yaki. Hein? Ouais. C'est par là que Paul a eu comprendre que même un ange du ciel se croyait a qu'au changer et qu'au mamité. C'est par là qu'il avait compris ça. Parce que même Jésus il pouvait même pas bouger un seul iota ya où Moïse a komaki. Tellement que Moïse a commis, Jésus reconnaissait en cela l'autorité divine. Amen. Amen. Maintenant, lorsque vous comprenez cette parole, vous l'assimilez au balani na yango, il dit que le baké, yayo makambonyo, c'est le réseau salango, ozo se mesurer, na oyo le bananzam, mais c'est le kosolola. Oui, de Mananzambe Sololi, Yamundi est commis, Mokano Yope aux ondima. Et comme une volonté na yo. Le Rwana, Liloba, est commis na Bokonzi, Likolo na yo. Bozanangelongo. Amen. Deuxièmement, la puissance que tu vas dégager, que tu vas manifester, correspond à la mesure où la parole a pris autorité en toi. Oui, retale ça. Et kokani na monene le ba oyo Jésus bokonzi na kati. Monni le nom de Jésus. Le nom de Jésus a de la puissance. Comme on a Jésus dans l'anguya. Mais cette puissance là pour bimisango. La puissance est fonction ya liloba oyo a magazine katne ondenge ezana bokonzi katna yo yangonde ezali justement fondement ya puissance oyo ko libéré. Amen. Quand tu dis au nom de Jésus Christ, amen, vous voyez le nom agir au moniko mbana ko sala. Cela est dû à quoi? Au tikeli parole ezui bokonzi katna yo. Alléluia. Amen. Et puissance ya nzambe ezali sima ya liloba oyeza katna yo. Tant que le bon nom Jésus, Jésus azali liloba oyeza nango katna yo. Gloire à Jésus Christ. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui a voulu nous montrer que une fois que l'église et botami balami balé sikawa église et ali sous nasa bokonzi ya péché te iza sousou nasa ya bokonzi ya chair te et komi nasa ya bokonzi ya moli mon sante. C'est ce que j'ai voulu que vous compreniez. Sikoyo balobi na biso ke ceux qui se laissent diriger par l'esprit bazali kondima komitika kotamisa na moli mo ba bote mi balami balé bayeba Omiti ka ete bakambama na Saint-Esprit. Saint-Esprit akambabiso. Gloire au Seigneur. Amen. 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 J'ai fini là, dans le nom de Jésus. Le Saint, n'est-ce pas? Le Père.
Come on, hey! Oh, oh, oh.
Oh,